Hello à tous, c'est Pascal du Team Bronize et aujourd'hui on va parler de pneus, ou plus précisément de l'enfer du choix des pneus. Et oui, qui n'a pas vécu ce fameux drame du compétiteur qui se retrouve sans le bon profil ou sans la bonne gomme avant l'entame de sa finale? En précisant évidemment qu'il a fait un déplacement super long avec trois valises pleines de pneus. Les pneus, j'en peux plus. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Voilà, j'ai préparé les pneus. Voilà, j'ai préparé les pneus. Selon moi, une des erreurs que l'on rencontre trop souvent, c'est de s'éparpiller dans différentes marques de pneus. Et là, à mon avis, vous êtes perdu. Connaître et tester les gommes et profils, c'est tout aussi important que de connaître et tester son châssis. Mettez dans la balance les marques qui vous attirent, leurs différents profils et gommes, leur disponibilité, leur coût, ceux utilisés par vos connaissances pour pouvoir échanger vos ressentis. Et après toutes ces réflexions, faites un choix. Voilà, j'ai préparé tous les profils et toutes les gommes. Et voilà, on peut y aller, les pneus sont prêts. Vous avez fait le choix d'une marque précise, bravo. Mais c'est pas fini. Il va falloir continuer la réflexion et choisir 2-3 profils et 2-3 gommes dans cette gamme. Et je vois large. Selon moi, pour les pilotes autres que ceux qui visent les demi-finales en élite en France ou experts en Suisse, avec 2 gommes et 2 profils, vous allez couvrir les 80% de vos besoins. Et peut-être même plus. En conclusion, on choisit une marque. On choisit 2-3 profils et 2-3 gommes par profil et on teste ses pneus. Allez, à bientôt sur les pistes.